Bonjour à toutes les personnes qui sont venues voir les Péroleuses dans toute sa splendeur de grande mochesse. Bonjour à tous mes petits gamins et filles de cœur. Bonjour à vous, monsieur le bourgmestre et aux membres du collège. Avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on réserve une minute de silence pour quatre amis du carnaval qui nous ont quittés cette année. Yves, Francie, Isabelle et Christopher. Merci pour eux à qui nous dédions ce premier air de carnaval. Pitchouli! De créer une élection, une liste électorale, le GAC, groupe à Gugus. Même si cette liste n'a pas pu être présentée aux élections, je peux vous dire dans les lieux du carnaval de Marche, bon coup aux pensées, avec cette liste semée la zizanie dans la campagne électorale, avec bien sûr votre grande mouchoise comme tête de liste. Aujourd'hui, je vous dévoile les coulisses de ces négociations qui auraient certainement changé la donne des élections. Durant ces jours-là, je m'impose maintenant comme la première dame de la ville de Marche. Et j'impose bien sûr tous mes amis carnavaleux qui figuraient sur ma liste. En tête de liste, comme je viens de le dire, celle au multiple surnom, MC, Marie Kéké, la poule, bref, moi-même, Marie-Claire Libéroleuse, tirée du clan des Lobets, comme le disait Bertrand l'Espagnard. Clan des Lobets, où l'on est. Vous comprenez pourquoi j'ai choisi le thème du carnaval de Venise.